Si tout va mal, c'est ce top modèle au teint des belles d'Ivory qu'on risque d'avoir comme prochain premier ministre, ce qui sème le désarroi au pays. Oh non, pas chrétien. Oh non, pas chrétien. Encore une oufie. Avant de dire du mal de cet épouvantail à Corneille, voyons un peu l'histoire de sa vie. À sa naissance, le petit gars Shawinigan est tout ce qu'il y a de plus normal. Mais il devient vite magouilleur politique et se cache dans les boîtes de scrutin pour trafiquer les votes. Tiens, ça t'apprendra à voter conservateur. Plus tard, en grand Don Juan, il séduit Aline, avec qui il a des atomes crochus et jaunes. Ouais, elle a l'air des aimer mieux circoncis. Dégoûtée par le physique ingrat de son mari, Aline fait appel à un vétérinaire qui lui replace la mâchoire. Et résultat... Et un approvisionnement culturel... Son look est parfait, mais sa santé mentale laisse toujours à désirer. Un spécialiste l'examine. Hey, chrétien, je viens de prendre ta température. Je te dis que... Oh, ça monte tranquille. Ça monte bien, ça monte bien. Ah oui! Lâche pas, beau gosse! Chrétien apprend vite et ses stratégies politiques sont de plus en plus claires. On avance, on recule, on avance, on recule. Et son influence en chambre se fait déjà sentir. Il faut... On ne peut laisser permettre. J'ai une question. Frondeur, Chrétien n'hésite pas à donner l'heure juste aux dirigeants en place. Oh boy, il est plus tard que je pensais. Et il s'associe avec de grands orateurs. Est-ce que vous vous mettez à droite ou à gauche pour entendre mieux, M. Chrétien? Je me mette derrière lui parce que tout ce qui vient de lui, c'est ce qui était derrière. Et résultat... Encore là! Tu vas y arriver, petit! Déjà, les électeurs le détestent et certains essaient même d'enfarger sa voiture. Check this out. Oh, fuck, j'en ai manqué. Désireux de redorer son image, Chrétien décide de participer à un jeu télévisé. Il est là, il fait dur. Voici M. Jean Chrétien qui joue à Chariot-Marie. Ce soir, M. Chrétien tente de démêler un mot mélangé. Pip, Chamonigan, ça devient le sud. Je sais pas, l'exercice du chef de la Saskatchewan, du chuche chez la coffre, tu resteras du coin. Sans dessin, c'est ça. Sans dessin, pas compliqué. Sans dessin, ouais. C'est lui qui dit, c'est lui qui l'est. C'était Charles Lamberlin, AFP Audio. Et Johnny ne compte surtout pas sur le vote de papa.